Le professeur Weasley m'a dit de te demander comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr. Quelle sorte d'ambiance préférez-vous ? J'aimerais que la salle évoque la nature, comme si j'étais à l'extérieur. Ça semble parfait. Oh, cela change tout. Bien entendu, ne gardez pas ce style s'il ne vous convient pas. Vous n'avez qu'à demander à Chick d'annuler cette modification. Bon, vous avez beaucoup appris sur l'altération. Merci, professeur. Cette salle est pleine de possibilités. En effet, peu importe combien de temps je passe ici, la salle parvient toujours à me surprendre. Espace encore plus grand. Qu'est-ce qui s'est passé? La salle s'équipe toute seule en fonction de vos besoins. Elle a dû sentir qu'il vous fallait plus d'espace pour vous entraîner. Si vous souhaitez aménager davantage ce lieu, vous pouvez utiliser ces créasors. Vous en trouverez à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Merci, professeur. Je vais ouvrir l'œil. Bien, je vous laisse vous installer. Il s'agit de votre espace. Faites-en bon usage. J'aimerais savoir comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr. Oh, quelle sorte d'ambiance préférez-vous ? En fait, peut-être un autre jour. J'aimerais savoir comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr. Oh, quelle sorte d'ambiance préférez-vous ? En fait, peut-être un autre jour. Revelio. Revelio.
Voyager était incroyablement pénible avant que j'arrive. Les violons. Non. Revelio. T'as déjà dû faire ça. Revelio. Personne ne veut me laisser. Revelio. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie de vous voir. Revelio. Un squelette de rhinocéros. Je suis sur la bonne voie. Thank you.
Voilà la fontaine. Je ne suis plus très loin. De comprendre enfin pourquoi ce portrait était vide. N'est-ce pas? Tu es sûre que tout va bien? Oui, désolée, je suis juste... Je m'appelle Nelly, au fait. Je suis juste vraiment contente que les clés du Dédale soient de retour. Les clés du quoi? Et les clés du Dédale. Tu les as sûrement déjà vues voler dans les parages. À en croire la rumeur, une ancienne directrice, le professeur Moll, les a conjurées pour protéger le contenu de certaines armoires verrouillées, il y a plusieurs années. Le professeur Black ne daigne pas désenchanter les clés, et elles apparaissent certaines années. Tu devrais essayer d'en attraper une. Et pourquoi je ferais ça? Chaque clé te mènera à une armoire verrouillée quelque part dans le château. Si tu réussis à insérer la clé dans la serrure de l'armoire, ce qui n'est pas facile, tu y trouveras peut-être une récompense. Pourquoi le professeur Moll aurait-elle invoqué des clés volantes? Apparemment, l'objectif aurait été d'empêcher Peeves d'accéder à certaines choses. Mais ce n'est peut-être pas vrai. C'est un esprit frappeur. Je pensais qu'il pouvait aller presque partout. J'imagine que tu vas essayer de relever le défi, toi aussi. Oh, j'ai essayé, je n'arrive pas à aller au-delà des premières armoires. Tu t'en sortiras peut-être mieux que moi. J'aimerais savoir ce que contiennent ces armoires. J'irai tenter ma chance. J'espère. D'ailleurs, j'ai entendu l'une des clés dans la tour d'astronomie. Tu devrais tendre l'oreille pour essayer de les entendre. J'espère au moins que tu suivras quelques clés. Si tu réussis à ouvrir une armoire, j'aimerais bien savoir ce qu'elle contient.
Revelio. Cet escalier me semble prometteur. Les bulbes flotteurs à deux. On dirait le portrait de la carte. Mais où peut bien se cacher le trésor ? Ah ah ! Il y avait un passage caché derrière le portrait. Je me demande ce qu'ont donné les recherches d'Arthur. Tu as trouvé quelque chose ? Bonjour Arthur. Je voulais te dire que ma carte menait en fait à un passage caché dans un portrait. Oh, très ingénieux ! La mienne m'a mené au hangar à bateau. J'ai trouvé le trésor juste avant que le directeur n'arrive. Il m'a chassé de là, mais pas avant que je ne m'enrichisse de quelques galions. Et toi, qu'est-ce que tu as trouvé ? J'ai trouvé ce qui semble être un authentique uniforme d'historien. Oh, quelle chance ! Nous avons tous les deux eu de la chance. Je suis content de t'avoir demandé de l'aide. Bien, passons au prochain mystère de Poudlard. Je me demande si on devrait aller faire un tour dans le bureau de Weasley. Revelio.
Revelio. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Revelio. Une clé du Dédale. Je me demande où elle va me mener. Je trouve gênant que la façon dont certains serpents... Revelio. Pour le cours de défense. En route pour de nouvelles aventures. Voilà le meuble. Où dois-je mettre la clé ? Fantastique. Une vieille pièce ? Nelly sait peut-être de quoi il s'agit. J'ai entendu dire que tu protégeais Préolar des trolls. Tu as réussi à suivre l'une des clés du Dédale ? Bonjour Nelly, j'ai réussi à placer une clé du Dédale dans sa serrure. Superbe ! Qu'as-tu trouvé dans l'armoire ?
une sorte de jeton assez étrange. On dirait une sorte de jeton de maison. Il sert sûrement à ouvrir les coffres de maison. C'est comme ça que je les appelle. J'en ai vu un dans la salle commune des Griffons d'Or. Et j'ai entendu dire qu'il y en avait aussi dans les autres salles communes. Ouvre l'œil. J'espère que tu vas continuer. La récompense de tels efforts doit être formidable. Je dois continuer et trouver le coffre de la maison Serdaigle. Ce doit être. Je vais devoir trouver d'autres jetons si je veux l'ouvrir. On dirait qu'il en faut un certain nombre. Revelio. Quel plaisir de vous revoir. Angélique ou trois? C'était un cours intéressant. Grâce à toi. Ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais c'était génial. Merci pour ton aide. J'espère que Sharp n'a pas été trop désagréable quand tu as rendu ta potion. Je l'ai entendu parler d'en assumer la responsabilité. Le professeur Sharp n'était pas ravi. Ne me mêle pas à tes combines la prochaine fois.
J'en suis désolé. Il a peut-être déjà tout oublié. Sharp peut sembler bourru, mais je parierais quelques galions qu'il a fait exploser des potions dans sa jeunesse. Je dois filer. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera moins explosif. Professeur, pourquoi dois-je effectuer ces tâches, déjà ? Le professeur Weasley nous a demandé à tous de faire des heures supplémentaires pour vous aider à rattraper votre retard. Avant de vous enseigner Repulso, je dois m'assurer que vous êtes capable de le maîtriser. Revelio.
bibliothèque. Si tu cherches un endroit discret pour t'entraîner à lancer des sorts interdits, retrouve-moi devant la classe de défense contre les forces du mal. J'aimerais vous enseigner Wingardium Leviosa. Il peut être utilisé pour faire léviter des objets pendant un court instant. Lorsque vous aurez effectué quelques tâches préalables, venez me voir après des cours. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Que puis-je pour vous aujourd'hui ? C'est une sage décision. Merci. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Magnifique. Que j'oublie de noter l'une des plus
passer sur vos devoirs? J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. Excellent. Vous êtes donc fin prêt à apprendre Repulso. Voyons cela. Concentrez-vous. Ne laissez pas votre esprit vagabonder. Vous avez compris. Si vous voulez vous entraîner, et vous en avez bien besoin, évitez donc de projeter vos camarades contre les murs dans les couloirs. Je suis heureux de voir la détermination dont vous faites preuve pour maîtriser.
Terminez les tâches que je vous ai confiées, puis retrouvez-moi dans ma salle de classe pour apprendre Tiffindo, le sortilège de découpe. Il est généralement utilisé pour couper un objet, mais il peut également être une arme redoutable. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. Entrez. Les potions de soins sont notre spécialité si vous en avez besoin. C'est une sage décision. Merci. J'espère vous revoir très vite. Expelliarmus.
un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Éventuellement des araignées, mais ça n'en vaut pas la peine. Les pattes sont trop fragiles. Pourquoi on me confie toujours ce genre de tâches ? Je ne me souviens plus si j'ai installé mes pièges à Campolar en haut ou à Campolar en bas. C'est le mieux que tu puisses faire. Voilà donc l'engin vient de me rater. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu en sais de tu es à moi. Qu'est-ce que ça fait? Compris. Le braconnage, c'est fini pour toi. Rebellion. Aventures.